Skip Wheat. Salut Jill. Oh tiens, ça y est, ça commence déjà. Preview. Non, c'est bon. Attends, ça vient. Toi pas bouger tes fesses. Alors attends. On va légèrement baisser le son du jeu. Déjà de base. Voilà. On va le mettre genre à 60. Bon, bah le dernier jeu de la trilogie. Bah c'est parti. Ouais, j'avais déjà une partie en cours, j'avais fait même pas la moitié du jeu. Action ! Hein ? Oh, ah, tout a été si paisible dans les 5 mondes depuis une éternité. Est-ce 6 nous possédons 12 000 joyaux. Ouais, 14 000. Et à propos de ce Gnostic Nord, je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers. Laisse-moi te répondre. Gnostic est une simple créature. Simple ! Il est tenu à l'écart dans un autre monde. Et n'est plus un danger pour le royaume des dragons. Plus de danger ! Et en plus, il est laid. Laid ? C'en est trop ! On dirait que j'ai du travail. Attendez, bougez pas, je reviens vite fait. Ah. Vais-je le libérer? Vais-je lancer le... Vais-je lancer la cinématique? Vais-je lancer la phrase mythique? Comment embêter quelqu'un? C'est cool, le stick analogique, il est bugué. Allez, c'est parti. Merci de m'avoir délivré, Spyro. Délivre 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Enyastignork, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Enyastignork. On avait toujours trouvé bizarre par contre la façon de tourner avec la charge dans le jeu.
Genre on fait des dérapages. Initial D. Déjà vous. Alors attends, parce que déjà on va désactiver l'analogue parce que ça me fait chier. Le son du jeu en lui-même est assez faible, j'ai l'impression. Il y avait moyen de prendre plus de hauteur dans un saut, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Les yeux éteints. Je sais plus, il y avait un truc. Non mais ça pourrait me servir, hein. Où est Nasty York? Je vais le pulvériser. Pas si vite, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre. Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout? Elle s'appelle Étincelle. Elle t'aide et te protège. Pourquoi ils n'avaient pas traduit à l'époque? Et tu comprendras ce que je dis. Pourquoi ils ont pas traduit à cette époque? C'est Sparks! Sparks! Ça s'appelle Étincelle. Non mais Spyro, ils l'ont dit dans tous les jeux, ça par contre. Ils n'ont jamais fait la traduction de celui-là. Je vais pas faire les bruits de dérapage. Je suis nul. Ah, des biquettes. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Waouh ! Recommence ! Tu trouveras le chef des artisans en passant par la porte de la gueule du dragon, mais tu n'es pas encore prêt, Spyro. Tu dois d'abord franchir l'un des autres mondes des artisans. Les voleurs, elle veut dire. Aïe. Aïe.
Oh, ce dérapage. J'ai jamais pigé pourquoi ils ont laissé tomber l'idée des roulades. Je trouve ça rigolo. Ah, esquive. Oui. Allez, on va faire tout le jeu comme ça. DGM derrière, je me souviens plus. Non. Est-ce que j'ai toutes les gemmes ou pas? Je suis à la maison. Maison! Quel vol. Qui est de quoi? Ah non, bah non, fallait. Fallait juste récupérer. Fallait juste sauter sur les cailloux un par un. Bon, ils sont où les gemmes qui me manquent là? Mais c'est Spyro! Rappelle-toi des leçons de vol! Appuie deux fois sur la touche de saut et n'aie pas peur! Peur? De quoi? De tomber du haut des montagnes ou de dégringoler dans des glaciers préhistoriques! Oh, je vois! What the fuck? Pourquoi les probastats? Aïe! Ah, viens là, toi! Rien. Je ne vois rien. Aïe. Heureusement que t'as... Parce que combinaison, bah heureusement que t'as pas parlé de cuir justement. Merde. Mais c'est... J'aime pas par contre comment tu tournes dans les charges dans ce jeu, hein. Les dérapages que ça fait. Tipoui! C'est Iscaret. Enfin, re. Tipoui! Bon, tipoui! Ok, c'est toi qui l'aura sorti, Jill. Hein. Oh, ça peut se modder. Mais quel idiot. Eh, hey, aïe. Eh ben, on va s'aller dès le début du jeu, tiens. Il est fou. Alors, c'est dans quel sens qu'il faut le faire? Je sais pas.
sais pas. Je sais pas comment on fait. Il y a des avions. Je fais n'importe quoi. Si je savais dans quel ordre fallait faire les trucs, ouais, ce serait plus simple. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'ordre dans les trucs de vol dans ce jeu-là. Je vais tellement chier des bulles. Non mais là, c'est même pas une question d'aller en sens inverse des trains, c'est que pour trouver l'ordre pour faire les trucs dans ce jeu-là, c'est pas très facile. Ah non, les niveaux de vol dans ce jeu-là, ils sont horribles. Hein. Faut le dire, faut dire ce qu'il en est. C'est une purge. Bon, je commence bien. Ça va, je commence pas trop mal, hein. Je pense que l'idée c'est de finir par ça en fait, je crois. Merde, je perds déjà du temps. Allez, go go go. Bah, je suis plutôt zen moi perso là tout de suite. C'est Spyro, c'est bien. En plus, on a un joli plan sur ses fesses. Ouais. Bon, c'est moche. C'est un dragon, donc si. Bon bah c'est GG je crois. Si j'arrive à trouver le dernier train. Le train. Ah. Là. Les sous pour Bibi. Il y a pas gros sous dans ce jeu. Joie. Il y a pas gros sous. Tu vois, c'est pas dur, Jill. Clin d'œil. Ah tiens, d'ailleurs, c'est... Bah oui, Spy et Mateos, ils ont fait du Borderlands 2 tout à l'heure. Enfin, quoique c'est dans Pré-Sequel qui a le coup du clin d'œil. Fais gaffe à tes doubles sens, Jill.
Lorsque tu libères un des dragons ou que tu te poses sur une de leurs plateformes, tu enregistres ta progression. Cela peut être très utile si tu es en danger, mais cela ne risque pas de t'arriver, hein, Spyro? Mais non. Jamais. N'est-ce pas? Hein? J'aurai jamais de soucis. Ah, j'ai pas la clé. Aïe. T'es plus pirate. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa force. Il faut qu'elle mange des papillons pour rester forte, comme moi. Ah, ok. Ah mince, c'est pas le bon jeu. Déjà, le truc que j'aime pas sur celui-là comparé aux autres super-héros, c'est quand tu tournes pendant que tu fais une charge, t'as l'impression de déraper, de faire un dérapage. C'est pas très contrôlable. Non, perdu bleu, c'est pas des A, c'est des O. Erreux. Non, je retourne pas à la maison. Astor. Et après avoir délivré tous les dragons, passe dans cette sorte de tourbillon. Tu retourneras dans le monde des artisans. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire. Non merci, salut. Bande d'incapables. C'est des vieux Gripsou en même temps, donc... Ah! Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Ce bruit, c'est la vie. Ce bruit, c'est la moutarde. Et le jeu, il est toujours aussi sympa à jouer. Hein. C'est pas celui que j'ai joué le plus, vu que j'ai jamais fini. J'avais fait qu'une partie du jeu. Gildas, je sais pas. Spyro, mon ami! Tu veux que je te donne un conseil? Bien sûr! Pour voler plus longtemps, appuie sur la touche croix au sommet d'un saut. Pour descendre en plein saut, appuie sur la touche triangle. Merci pour ce conseil totalement inutile que je savais déjà. Merci. Ignacy New York. Gilles. Oh, j'avoue. Mais bordel bleu, t'es un génie. Oui, en plus, c'est le gros dragon. Gros dragon qui s'est goinfré de pizza qui te dit comment faut voler dans le jeu, quoi. Aïe, j'en ai marre de me bouffer les murs. Aïe. Fallait où?
J'espère qu'il montre pas les joyaux dans celui-là. Mais chasseur, voilà, c'est une stupide peluche. Ah, la clé. Ok, d'accord, Jill. Si tu veux. Un gros dragon obèse. Donc Jill finira obèse, c'est intéressant, hein, dis donc. RIP Jill. Oui, oui, je sais, Scarlett. J'avais entendu. J'ai pas besoin de backseat. Hein. Je peux me débrouiller. Si vraiment j'ai besoin, je le dirai, mais là. Déjà, faut que je retourne dans le puits. Pff, j'arrive à me perdre dans le niveau. Génial. Le niveau, il est rikiki et j'arrive à me perdre. Le puits. Ah, joyaux. Plein de joyaux. Holy moly. Wow. Thanks, Texera, for the host. 53 viewers. Oh my god. Welcome, everybody. How is your stream, Texera? Hello Javasaurus, Maple Story Dragons. Please. Thank you for the follow, Javasaurus. It was alright. Were you playing? Where are you doing some Rayman speedruns? I'm actually following you for quite a while. Been lurking on your stream. From time to times. Ça marche, Keret, à plus tard. Merci d'être passé. I'm missing a gem somewhere. Oh, that's not what you think, I guess. The title say the reverse gem collecting trilogy. Is that just a random title I put for my Let's Plays? I'm actually doing all the Spyro games, but in the reverse order. I started with Spyro 3, and now I'm with Spyro 1, finished Spyro 2 last time. So that's why reverse gem collecting strategy.
Ok, level finished. Ok, next level. Where is it? Nils. Bienvenue à Town Square, Spyro. Explore les lieux en planant jusqu'à la zone des taureaux. Utilise les touches L2 et R2 pour avoir la meilleure vue. Yeah, by the way, the game is in French, sorry. Playing the PAL version on PlayStation 2. Goes alive. Oh, merci Spyro. J'avais de grosses démangeaisons au bout des ailes. Sais-tu que tu peux voler plus longtemps en appuyant sur la touche croix au sommet de ton saut ? Thank you very much for the follow, Shairo Chu. Spyro, as-tu vu cet homme habillé en bleu s'enfuir ? C'est un voleur et il a dérobé un œuf de dragon. Il faut que tu le rattrapes et que tu récupères cet œuf. Cours ! Cours ! Je n'ai plus de souffle. You're not even moving. Ah, ok. Ok. Nice hitbox.
Ok, never mind. Got him. Tort. Merci de m'avoir libéré. Ok. I think I was done with the level. Yeah. Okay, next. This one's done. Salut Asnel. Comment ça va? Oh, c'est toi. Je ne pensais pas que tu échapperais à ces vilaines bestioles. Moi, je ne les crains pas, car l'armure de métal protège du feu, mais ces créatures sont plus vulnérables si tu leur fonces dessus. Bon, écoute, ça va pas trop mal. Spyro, j'avais avancé un petit peu sur ma sculpture aujourd'hui. Tu ne peux pas charger des ennemis comme ce Niorque à bâton, mais je pense qu'un jet de flamme suffira à les détruire. J'en suis un peu douté, hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Thank you.
Come on. Sparks, get the gems, please. Thanks. Oswin. Psst, Spyro, tu veux un secret? Utilise la touche triangle lorsque tu veux te rapprocher ou faire un tour d'horizon. Ah, merci pour le tuyau. Missing gems. Ça dans la grotte. J'aurais fini par trouver, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Plein. Ok, done. Next level. Je sais pas si j'ai oublié des niveaux ou pas. Am I missing any levels in that first world? Oh! Croustillant!
What? What's this? Oh, okay. Ah, come on. What? I need health. Okay. I need to move a little more. Okay. Let's go away. There we go. Nevin. Gnast Ignorc a nommé l'un de ses plus ignobles fidèles à la tête du monde des artisans. Amène-le-moi, je vais en faire un barbecue. I think I smell a barbecue. Soit prudent, Spiro. Il a plus d'un tour dans son sac. Ok, I need health. And there's no else. Fuck. Oof, that was close. Eatbox? Hello? What the fuck? And done. Okay, so that world is complete, I guess. Let's go to the next one.
Merco et Aéronautes. Ok, next level. Oh là. Titan. Bienvenue dans le monde des Pacifiques, Spyro. Regarde ce qu'ils ont fait de nos joyaux. Ils nous les ont volés. Ramène-nous nos joyaux, Spyro. Ramenez les joyaux, compris. James. Gimme James. Beautiful gems. Can you get the gem, Sparks? Thank you. Non. Not yet. Magnus. Salut Spyro. Étincelle, la libellule t'a bien protégé jusqu'à présent. N'oublie pas de lui donner beaucoup de papillons pour qu'elle reste forte. That's too far. Docteur Shemp. Mm.
What do I need to go to get to the other side? Easy thief. Ah mais complètement. Bien joué, Spyro. Continue comme ça et je suis certain que tu accompliras ton destin. Mon destin? Je veux juste leur botter les... Débarrasse-toi de ces ennemis et récupère des joyaux. Ah! Fail jump. Oh non! Non. Aïe. S'il te plaît, Mathéos, non. Et vite. Comment on y va là-bas? Salut DJ Filler. Bienvenue à toi. Level complete. Allez, premier niveau. Dry Canyon. Ah, je suis étonné qu'il l'ait pas... Qu'il n'ait pas traduit ce niveau. Ah, pareil. Le remake, il me hype de plus en plus. Je prie encore pour qu'ils le sortent, qu'ils finissent par le sortir sur PC aussi Day One. Ça m'éviterait d'avoir à payer une PS4. Nyeh. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'ils ont, montré du jeu, des différents trucs qu'ils ont annoncé, tout ça, c'est, ça promet quoi. Ils envoient du lourd. Hein ? J'ai fait trop de dépenses dernièrement, surtout avec le nouveau PC. Conan!
de m'avoir libéré. Bad voice. What the fuck? On aurait dit une vieille grand-mère. Can you? Thank you, Sparks, for your help. Doing pretty good. What about you? Boris. Dry Canyon récompense ceux qui savent voler. Tu es bien fort en vol. Hein, Spiro? J'ai ça dans la peau. I'm doing pretty good despite the heat. We are getting pretty hot weather these days. I'm melting. Dragons. Pour le jeu, la musique. Ah, bleu. What? I got hit. And I don't know how. C'est toi, Spiro? Tu es ce jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Lorsque tu n'étais encore qu'un petit cracheur de fumerolles, nous savions... Quoi donc? Je ne me souviens plus. C'est dans celui-là, t'es sûr? C'est pas... C'est sûr que c'est pas dans les autres Spyro à faire ça? Ouais, bon, je vais pas m'embêter à essayer de le faire, ça va me saouler si. Ouh, goodbye! Bye, have a good time! Ah! Tu m'étonnes. C'est si chaud à faire que ça, mais ça m'étonne pas. Les run killers sont souvent des trucs à la con dans les speedrun, j'ai remarqué. Soit des vrais gros skips qui sont bien chauds, soit des tout petits skips comme ça, mais qui sont tout aussi chauds à caler et
pixel perfect. J'ai failli passer. Ah, j'ai pas la clé. Come on! I'm not even touching the chest. Are you serious? C'est vraiment juste l'hitbox, hein, pas le reste. J'ai fait une boulette. J'étais dans le bâtiment, je me souviens plus. Ouais. Ah, ça y est. Je viens de le trouver. Par contre, c'est de quel côté que je dois sauter? C'est là? Ah non, c'est trop bas. Non. Je dois refaire tout le tour. Ah non, c'est bon. Il y a un truc là en face. C'est où j'ai été. Alors attends. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est ailleurs que je dois sauter?
T'es sérieux? Bah. Je croyais avoir été déjà ici. Ah bah non. Je croyais avoir déjà été ici, c'est pour ça. Ok. Merci Matt. Maximus. Superbe vol, Spyro. J'ai cru Maxi que je n'arriverais pas à me débarrasser de ces vilains vautours. Ils sont assez repoussants, mais grillés à la flamme avec une petite pincée de sel, ils sont délicieux. Sel de dragonnet. Azur. And please level complete. Nice, perfect. Okay, next level. Down. Ah non. Rip. Okay, next. Easy safe again. Je vois pas comment Jill a galéré avec les fantômes, ils sont pas compliqués. Thank you.
Alors. Comment un dragon peut-il combattre une armure en métal? Souviens-toi, Spyro, les flammes sont impuissantes contre du métal, mais tes cornes devraient en venir à bout. We saved Enzo. Hey, qu'y a-t-il de l'autre côté de la rivière? Tu n'as qu'à aller y faire un petit tour. Merci, Captain Obvious. Est-ce que je peux y aller d'ici? Techniquement oui, c'est par là que je dois aller. Marco. Tu as atteint le point le plus élevé de Clifftown. Tu peux te rendre n'importe où à partir d'ici. Si j'étais toi, je prendrais ce tourbillon là. Mm-hmm.
Ah fuck. Come on. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai loupés? Probablement. Mais où ils sont? Une gemme. Est-ce que j'ai zappé? Il manque une gemme de 25. Ou plusieurs gemmes. Where am I missing a gem? Where is it? There we go. Okay, next. Maison. This is my home. Ice Caverns. Un petit conseil. Attends d'être aussi grand que moi avant de foncer sur des ennemis aussi gros. Ouais, elle me faisait un câlin, la chauve-souris, en mode s'il te plaît. Mais complètement en fait.
Todor. Psst. Spiro. Certains Niorques portent des armures. Et dans la grotte de glace, ces armures peuvent les faire très facilement glisser. Got the same reaction. Oh. What's this? Andor. Merci de m'avoir libéré. Ok. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose. Hack. Ok. Non. Hey. Ragnar.
Bon travail, Spirou. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas encore prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Bien sûr que je suis prêt. Mais pourquoi? Ok. Gems. Ouh là là. Ah, bleu. Mon dieu. Ah, cher. Merci de m'avoir libéré. Rien, papy. Comment je fais pour récupérer Let's go back to the beginning. Back to the start. Oh. Come on. No way! What a joke! Oui, oui, je sais! Je sais, Mathéo, c'est pour ça que je dis que je retourne au début. C'était trop loin, fuck. Allez, là-bas, la plateforme. Aïe. Ah. Ici. Bon bah tant pis. Hop là. Returning home. Ok, next level. Docteur Shemp. Docteur Shemp. There.
Le son de la musique dans ce niveau est drôlement fort. Rondo. Ce type croit vraiment être le meilleur. Tu ne peux pas imaginer combien c'est fatigant de l'entendre à longueur de journée. Mais je vais te dire une bonne chose. Il ferait bien de se méfier. Oh, oh, oh. Easy. Fall. Aïe. Oh, I'm missing a gem. Oh, don't fall. Don't fall down. Flight challenge. It's going to be fun. It's going to be so fun. Flight challenge. Where is it? Again. Mm-hmm. Merde, je me souviens plus où c'est. Night flight. Mm-hmm.
Oh, come on. Where are they? Oh no. No. Not fun. No. Oh. That was close. Oh shit. I don't know the right order. Fuck. Oh! Now I know. Now I know. Okay, let's go. Okay. What the fuck?
Ok, done. Let's go back home. I think I'm done with that world. Next. Let's go. Ouvriers magiques. Magic workers. I guess. Oh. I am an idiot. Easy. Cosmos. Bienvenue dans le monde des ouvriers magiques. Je veux que tu libères les dragons, que tu récupères nos joyaux et que tu ramènes les œufs dérobés par ces satanés voleurs bleus. Pas le faire lui-même. Alpine. Alpine Skyline? Gotcha. Lorsque tu aperçois ces flèches, tu peux suivre leur direction et effectuer ainsi une supercharge. Une supercharge ? Génial ! Vas-y, essaye. Oh non. Supercharge. Je déteste les supercharges. Yeah.
spoiler. Cette porte t'amène vers un endroit où tu peux apprendre à voler. Ah, quand j'étais un jeune dragon et que je m'entraînais à voler. Apprendre à voler, compris. What the fuck? C'était quoi cet accent? C'était ignoble. Le non-fun commence. Wow. Easy there. Oh. Non. Oh. Fanfaron. Ah! Mon dieu. Où c'est qu'il est le coffre? J'ai besoin du coffre, où c'est qu'il est? Ah, trouvé. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille plus haut que ça. Hop, doucement, Spyro. Ok, bon. Le niveau est fini. Du coup, on va faire une petite sauvegarde. Je peux pas faire une petite sauvegarde. Ok, je suis obligé de rentrer dans un niveau, c'est ça? Comment je sais si le jeu a été sauvegardé? Y'a rien qui indique si le jeu est sauvegardé. Hein. À part quand tu vas sur... ouais, quand tu libères un dragon, t'es sûr de sauvegarder. Ah, mais je suis bête. Ça y est, je sais. C'est qu'il y a un dragon à sauver déjà. Là, ici. On va quand même faire une sauvegarde pour être sûr. Voilà, bon. Alors, voyons voir.
Voyons voir, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Petit host, bon, je pense que je vais hoster Azure encore une fois de plus. Can host Azure the Dragon. Je m'arrête là. Je vous fais des bisous. Thanks for watching. Tomorrow, demain, on va faire du Starbound. Normalement. Je dis bien normalement. Hein. So, I must thanks. Thank you very much, very, very much, Textera, for your host today. Wasn't expecting that. Thanks again. Thanks everybody that watched, everybody that followed. And see you next time, tomorrow, maybe tomorrow for some Starbound. Take care everybody, see you.